something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je mange pendant 24 heures comme un anglais. Nous allons dans un café qui s'appelle le Ken's Coffee. Et je vais prendre le fameux British Breakfast. Alors, nous sommes à Camden, on va manger ce matin à Camden, ce midi à Camden et après on verra ce qu'on fait. Il y a des patates et des légumes dedans. La journée. Très bon. En vrai, c'est complet comme petit déjeuner. Hein. Très bon. Super bon. Tu mets tes flageolets sur ça. Ah bon? Pourquoi? C'est délicieux. Alors c'est mieux ou pas? C'est très bon. Très bon. On valide. Ah, c'est la vie, le sucre en fait. Il est 14h, on va prendre le repas du midi et ça va être fish and chips. Il a l'air incroyable. Ouais, il a l'air incroyable. Il y a Camden Market et par contre, c'est un truc de ouf. C'est genre. Oula, oula. Il y a grave du monde, hein. C'est chaud. Bah, montre en hauteur. Fish and chips. On est dans une bulle là. Attendez, je vous montrerai de l'extérieur. On s'est mis dans une bulle. On a eu trop de chance parce qu'il y a grave du monde. La sauce, elle est rose. Il fait chaud. Je sais pas c'est quoi comme sauce ça. Non, y a pas de goût, c'est quoi? Déjà. Bah, la sauce rouge n'a pas de goût. Bah oui. Vous êtes une alcoolique. Ah, vous voyez pas, mais c'est rose. Comme mon menton. Regardez, vous voyez pas la différence. Et franchement, Camden, c'est mon paradis. C'est mon paradis, les gars. Si je vivais à Londres, je pourrais faire des challenges de malade. C'est pas encore goûté. Mais je trouve qu'il y a un truc qui me gêne. C'est bon, mais ça manque de goût, tu vois. Enfin, les frites sont énormes. La sauce rose, mais la sauce rose, je la comprends pas. C'est trop bon, j'aime trop. Je m'enlèverai les cernes en montagne. Oui. Mais non, c'est pas chaud. J'aime. T'aimes? Ouais. Parle plus fort, on t'entend pas avec la musique. Oui, j'aime. Je trouve que c'est un bon fish and chips. Franchement, je trouve qu'il est croustillant. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Il y a 12 livres. Ah oui, 12 livres le fish and chips. Donc, 14 euros. Bon, elle en a marre parce que. Non, à cause de moi avec mes challenges et tout. Elle en peut plus. Moi, je le vis bien. Franchement, ça va. Hein. Non, elle se prend des desserts et tout que moi je prends même pas. Quoi. Mais comment tu fais quoi? Je sais pas, je trouve que la note sucrée elle est trop importante. Pour moi. Genre, elle à côté elle se prend des donuts comme ça, tu vois. Donc en fait, c'est des bulles comme ça. On a mangé dans. Dans une bulle comme ça, voilà. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Cause you're not gonna worry.
Pour les 10K, nous allons faire un truc de ouf. Mais moi, je me trompe pas. Mais ah oui. Pourquoi? Ah d'accord. Ah, je suis de batterie. Non, je suis de batterie. On a un Camden encore. On a passé notre journée à Camden. C'était trop bien. En gros, t'as eu la partie genre non végétarienne quoi. C'est des. Ça, c'est des carottes, non? Des carottes et des. Ça c'est quoi? Ça c'est ton, je sais pas, ça c'est genre un remplacement de la viande, c'est avec des noix, je sais pas ce que c'est. Ça c'est du chou-fleur, ouais, avec des fromages. Du chou, ouais, des patates. Et ça c'est le Yorkshire pudding. Yorkshire pudding. Là ça va pas m'entendre hein. Légumes. Écoute, je sais pas. La sauce elle est archi bonne. Chou-fleur. Mais non, c'est pas ça. Quoi? Ah, je sais pas, c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, mais. C'est quoi en fait? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je goûte juste la patate, voir si elle est bonne. Ouais, elle est bonne. C'est très bon, hein? Mais pourquoi j'ai pas aimé moi? Donc ça c'est le Yorkshire pudding. Bah c'est du pain non? Évidemment, j'ai oublié de faire une fin, ça m'arrive tout le temps finalement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais très 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 gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Love you.